Good morgen, allez, Yidan les Sus, aujourd'hui le Nishmat Richard, bonne fortune, Mazal, Claude Israq, bonne fortune, Mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'idées, une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Souka, Perikei Mishnachet, En Pochatin, Meisrim, Ve'achat, Tkiot, Bamigdash. Ben Mosifin, Al-Arbaï Mushmona. Bechol Yom, Ayusham, Esrim, Ve'achat, Tkiot. Shalosh, le petit Chat Shaharim, Ve'teshal et Amichal Shachar, Ve'teshal et Amichal Ben Arbaï. Uva Mosafin, Ayu, Mosifin, Od Tesha. ובערב שבת היו מוסיפים עוד שש, שלוש להבטיל העם ממלאכה, ושלוש להבטיל בין קודש לחול. ערב שבת שבתוך החג היו שם 48, שלוש לתיחת שערים, שלוש לשער העליון, ושלוש לשער התחתון, ושלוש למילוי המים, ושלוש על גבי המזבח, תשע לתמיד של שחר, ותשע לתמיד של בן 40, ותשע למוספין, ושלוש להבטיל את העם מן המלאכה, ושלוש להבדיל בין קודש לחול. Mishnah relativement simple en rapport avec la Mishnah précédente, où on avait expliqué que lorsque les Kohanim descendaient pour aller descendaient du Shahar, de la Hazara, de la Ezrat Israël, descendaient les marches pour arriver ensuite jusqu'à la Hazara et marcher en direction du Shahar HaMizrach pour aller puiser l'eau, on avait dit qu'ils sonnaient du shofar. Du coup, la Mishnah, elle va me préciser le nombre de tkiot de shofar qu'on entendait au Beit HaMikdash. Ça varie de 21 jusqu'à 48. Et en général, il n'y a pas plus que 48, on expliquera quand on était, il y a concrètement plus que 48 parfois. D'abord, comment ça fonctionne? Juste, chaque fois qu'on dit qu'on doit sonner du shofar, ça implique qu'il y en a 3. Tkia, 3, tkia. Le long tout, après le tout, et après le long tout. Enfin, soit ça, soit l'un, soit l'autre. On aura l'occasion de découvrir dans le Shoshana exactement comment ça se passait. La prochaine Maseret, on en a encore dans quelques Maseretot. De Maseretot, on étudie Rosh Hashanah, on expliquera exactement comment ça se passait. Est-ce que c'est la Torah ou c'est les Shvarim? Mais ça revient en même. Dans la Torah, ça s'appelait une Tkia, une Torah, une Tkia. Chaque fois qu'il y a une occasion solennelle de sonner le chauffard, on sonne le chauffard, on sonnera ce triplé. Du coup, la Mishnah, maintenant, elle va me détailler de manière générale combien de fois on sonnait le chauffard au Beit HaMikdash. Et on commence avec En Pochatin Mesrim Ve'achat Tkiot Be'HaMikdash. On ne trouvera pas, on n'aura pas de configuration où il y aura moins de 21 tkiot au Mikdash, donc 7 triplés, si je traduis en triplé. Ve'en mosifin al arba'im ushmone, et on n'aura pas plus que 48. D'accord? Donc 48 tkiot, donc si vous divisez par 3, ça va faire 16 triplés. Et la Mishnah, elle va me dire d'abord, bien, d'abord le minimum. Bechol yom, tous les jours, ayusha mesrim ve'achat tkiot. Il y avait déjà 21 tkiot, 21 sonneries, ça veut dire, c'est pas vraiment des tkiot, il y a des tkiot et des trouot, mais ça s'appelle 21 sons. Tout d'abord, shalosh leptichat shaharim, lorsqu'on ouvre les portes de la Hazara le matin, le shahar nikanor, alors on commence déjà à sonner une première fois, un triplé. Et à part ça, ve'techa letamid shel shachar, ve'techa letamid Shel Ben Ha'arbaim. Et 9 pour lorsqu'on va porter le Korban Tamid, l'Holocauste perpétuel du matin, et 9 pour le Korban Tamid de l'après-midi. Chaque fois, un Tamid le matin, un Tamid l'après-midi. Au moment où on a porté le Korban Tamid, on chantait. Selon le cas, on chantait le Shir Shalyom qu'on chante alors, en général. C'est en rapport avec le Tamid Shel Shachar, Defka, Shel Ben Ha'arbaim. Donc ça, on chantait. Maintenant, chaque Perek qu'on chantait, il était coupé en 3. Et à chaque fois qu'on finissait un morceau, on s'arrêtait et on sonnait le chauffard, le Ham Israël se prosternait, et après on continuait à chanter, et on arrivait de nouveau à un nouveau pérec, à un nouvel arrêt, une deuxième fois on sonne le chauffard, pendant qu'on sonne le chauffard, tout le monde se prosterne, et ainsi de suite, pendant 3 fois pour chaque chanson. Il s'avère donc qu'on a donc, la petite Hatcha Harim, on a un triplé, on a 3 triplés pour le Korban, Shel Shachar, pour le Tamid Shel Shachar, on a 3 triplés pour l'après-midi, donc ça me fait 7 fois 3, 21, le compte est bon, pour le moment, c'est le minimum qu'on va retrouver au Beit HaMikdash. Maintenant, il y a des jours de la semaine où il y a des occasions particulières, en l'occurrence, je vous donne tout de suite un indice, lorsqu'il va y avoir un Moussaf, pendant qu'on va porter le Korban Moussaf, on va avoir un chant spécial, en l'occurrence, comme ce qu'on chante à chaque fête qu'on a un chant, parce qu'au Beit HaMikdash, on rajoutait un chant, si c'était Barichi Napshi, ou si c'était je ne sais pas quoi,
pour les jours de fête, on chantait une chanson. C'était toujours que des Tehillim, ouais. On va le partager en trois, de nouveau, il y aura un nouveau triplé. Donc déjà, il va falloir calculer le jour où il y aura un Moussaf, en l'occurrence le Shabbat. On va avoir un 3 triplé supplémentaire, puisqu'on va, jeter un chant, le Mizmanchir, le Yom HaShabbat. Et ça, c'est d'abord, premièrement, pour chaque fête. Il y a la Gemal, parle aussi de ce qui se passe lorsqu'il va y avoir plusieurs Moussaf. On va se retrouver avec un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. On a les Moussaf de Rosh Chodesh, Moussaf de Shabbat et Moussaf de Rosh Hashanah, qui est aussi Yom Tov. Est-ce qu'on chante ou on ne chante pas pour chaque occasion? Vous comprenez comment ça va se décupler. Maintenant, la Mishnah, elle va maintenant me approcher, d'abord me donner encore un autre indice important. Quelque chose d'important qui se passe aussi, c'est... Alors, la Mishnah me dit d'abord, « Uba Moussafin, Uba Moussifin, Ote Tesha. » Chaque fois qu'il y a un Moussaf, on rajoute encore 9. Et à part ça, « Uba Erev Shabbat, et la veille de Shabbat, Uba Moussifin, Ote Shesh. » Alors là, on se retrouve avec 6. En fait, c'était pas, cette fois-ci, c'était plus 3 triplés, c'était juste 2 triplés. C'est pas en rapport avec des chansons, mais c'est plutôt en rapport avec l'entrée du Shabbat. Comme ce qu'on a encore aujourd'hui, on entend Yerushalayim, on entend la sonnerie qui retentit avant l'entrée de Shabbat, pareil, idem à Bnei Brak aussi. Et initialement, il n'y avait pas de sonnerie qui retentissait, il y avait le chauffard. Et le chauffard, en fait, il avait un but bien spécial. On sonnait 2 séries de chauffard, une première série de 3, Shalosh Lavtil Amni Melacha, une première série de 3 pour que les gens interrompent leurs activités profanes. Plus précisément, quand commence la première tkia, les gens qui sont dans les champs, ils lâchent tout et ils commencent à se diriger vers la ville. Quand il y a la deuxième tkia, qui en réalité une troua, comme dit le Tosot Yom Tov, eh bien, cette fois-ci, les magasins ferment à l'intérieur de la ville. Et la troisième, c'est pour maintenant, on retire les casseroles du feu et on commence à les enfouir, les camoufler pour Shabbat pour qu'elles restent chaudes. D'accord? Tout ça, c'était le temps de faire une tkia, c'était. Ça a duré quelques secondes le tour au total. Les gens, ils lâchent leur outil, ils commencent à fermer les magasins, et ils commencent à sortir les choses du feu. Ça, c'est pour la première série. On attend après quelques, je ne sais pas si c'est secondes ou si c'est minutes, le temps de faire cuire un petit poisson. C'est comme ça que c'est précisé dans la Gemara. C'est rapporté ici. Ok, dans le bar de droit. Kedelitzlot dag katan, combien ça prend de temps pour faire griller un petit poisson? Je ne sais pas c'est quoi un petit poisson non plus. Alors, un poisson pas épais, j'imagine. Alors, dans ce cas, on patiente. 2 minutes. Et alors là, on entame la nouvelle série, cette fois-ci, les Avdil, les Vesharosh, l'Avdil Ben Kodesh, les Chol, 3 pour séparer entre le jour profane et le jour Kodesh. On finit le chauffard. Shabbat est entré. Et on arrête tout. Complètement, il n'y a plus de transgression. Il n'y a pas les 18 minutes et je sais pas exactement quoi, chacun avec ses petites coulottes de tirer un peu plus sur les dernières limites. Non, c'est fini. On a fait le chauffard, on arrête, on a reçu le Shabbat. Ok? Donc on a déjà maintenant, il s'avère qu'on a déjà ajouté premièrement, donc on a dit les 7 séries de 3, 21 pour un jour classique. Chaque fois qu'il y a Moussaf, tu peux rajouter déjà 3 séries de 3, donc 9 supplémentaires, on est déjà arrivé à 36. Si on se retrouve à Erev Shabbat, tu rajoutes encore 3. De triplé en fait. Donc 3, on était à 36, on est déjà monté à 42, mais c'est pas encore là. Alors là où on va se retrouver avec un cas que la Mishnah me disait au début, que tu vas faire une partie de mes streams et qu'il y avait 48. 48, comment on y arrive? Eh bien c'est très simple. On est plus loin du compte en fait, si vous faites attention. Il nous en manque 6. Où on va le faire? Alors ça se passe comme ça. Erev Shabbat, Shabbatot Hachag. La veille de Shabbat qui va tomber pendant Sukkot. Alors là, Ayusha Marbaim Ushmoné, là on va voir 48. On se retrouve veille de Shabbat, Sukkot de Chol HaMoed, Sukkot de Chol HaMoed, veille de Shabbat, le vendredi. C'est le jour où on va voir la configuration la plus riche, si je peux dire. On va voir quoi? Tout d'abord, regardez, puisqu'on a Sukkot, alors on a l'histoire du Moussaf, de Sukkot, d'une part, et à part ça aussi, on a encore un autre truc important, c'est l'histoire du Nisuch HaMaim. Pour épuiser l'eau, vous vous rappelez qu'après, lorsqu'arrive le moment d'aller épuiser l'eau, on sonnait 3 fois du chauffard, il y avait une petite différence avec la Mishnah précédente, mais c'est pas grave, le principe, il y aura toujours, d'après tout le monde, il y aura 3 triplés. Donc on va se retrouver avec 9 supplémentaires, plus le Korban Moussaf, ça va faire 9 supplémentaires, et c'est comme ça qu'on va réussir à accumuler plus de tkiot de chauffard. Ça se passe comme ça, Shalosh le petit Chat Sha'arim, 3 pour ouvrir les portes. Après on a Shalosh le Sha'ar Elyon, Shalosh le Sha'ar Tarton, Shalosh le Mulo Yamaim. Ça c'est en rapport avec l'eau. Il fallait sonner 3 fois,
Un, lorsque les Kohanim descendent du Shar Elyon. Un, quand ils arrivent en bas, dans la Hazara, ce qui s'appelle le Shar Tarton, quand ils vont sortir. Et un, pour aller remplir l'eau. C'était pas exactement comme on avait vu dans la mission précédente, c'était 15e marche, 10e marche, et puis après lorsqu'ils sont en dessous. Là, c'est 10 pour 3 pour en haut, 3 une fois qu'ils vont sortir, et 3 quand ils vont puiser l'eau concrètement. D'accord? Il y a une petite discussion, mais ça revient en même. Donc pour le moment, on avait 3, rien que pour l'ouverture, on n'a pas encore commencé les korbanot. 3 pour l'ouverture, et déjà 3, 3, 3, on est déjà arrivé à 12. À part ça, maintenant, Veshalosh Al-Gaba Mizbeach, tu sonnes encore 3 lorsque tu es arrivé au Mizbeach. Cette fois-ci, c'est pour verser l'eau. D'accord? Plutôt, oui, c'était mentionné déjà plus haut dans le perek précédent, en fait, lorsqu'on mettait les branches du loulav sur le misbéar, vous rappelez, pas les branches du loulav, les branches du harava, les grandes branches du harava, on les mettait comme ça sur le misbéar, là on sait le niveau du chauffard, donc rien que déjà, sans les korbanot, on s'est déjà retrouvé avec 15 tkiot. À part ça, t'as Teshal et Tamid Shachar, Teshal et Tamid Shal Ben Arbaim, et Teshal Amosafin. 3 pour le Tamid du matin, 3 pour le Tamid du Ben Arbaim, 3 pour le Moussafin. Donc 9 fois 3, 27. Et on en était à 15 avant, ça fait 37, 42. Et puis à part ça, tu as Shalosh, Laftil et Tam, Mina Melacha. 3 après, puisqu'on est la veille de Shabbat maintenant, tu rajoutes 6 en fait. Donc 42, 45, plus 48. Tu as Shalosh, Laftil et Tam, Mina Melacha. 3 pour que les gens arrêtent de faire les Melachot, comme on a expliqué dans la partie précédente, et Shalosh, l'a dit le matin de Shechol, et 3 pour séparer entre l'entrée du Shabbat et le jour de fête. En réalité, ça, c'est pour un cas classique qui se retrouve tous les ans. Quasiment tous les ans, parce qu'on aura toujours un moment où il y aura Shabbat qui tombera pendant Kharmed. Mais il y a une configuration qui nous fait monter à 57 tkiot, qui est rapportée ici dans le Barthénora. C'est très simple. C'est. Tout d'abord, il faut savoir, quand il y a le Korban Pessah, quand on apporte le Korban Pessah, il fallait l'apporter, comme on avait appris dans Pessahim, avec 3 groupes. Chaque groupe chantait le Hallel. Si chaque groupe chantait le Hallel, on sépare en 3. Donc pour chaque Hallel, on va avoir 3 triplés. 3 fois 3 triplés, ça fait déjà 3 fois 3 triplés. Ça va nous faire 9 triplés. D'accord? Donc rien que pour le Hallel, l'histoire du Hallel, on est déjà arrivé à 27. Maintenant, rajoutez sur ça les deux du Korban Tamid, 2 fois 9, d'accord, 2 fois du Korban Tamid, plus encore on a le Korban de Moussaf de Shabbat, plus encore vous rajoutez la petite Hatcharim, vous faites le calcul, vous allez arriver comme ça jusqu'à 57, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sarah quand le Pérou